pendant des années faire bonne proposition pré-budgétaire. Nous finissons aussi à amener un changement qui malheureusement pas mis en pratique cette année, mais si là l'année dernière, c'est-à-dire que nous faisons une proposition sectorielle avec les différents ministères concernés, pas juste au niveau de la CIM, mais qui tous différents secteurs, quand il y a une intervention plus ciblée, les fait avec les ministères concernés. Mais au-delà de ça, nous guettons la politique gouvernementale d'orientation économique, qui nous est un mot à dire. En termes de man développement qui peut faire l'infrastructure, qui prenait l'impact à court, moyen et long terme, est-ce que Bizin prélève plus de taxes, est-ce qu'il prenait une bonne coupure dans les services pour capable financer certains projets, est-ce qu'il certaines services déjà existants en termes de santé, en termes de l'agriculture, le commerce, les taxes qui existaient. Est-ce que tout ça peut prendre en considération dans le budget à venir ou bien pour améliorer? Maintenant, c'est un gros projet qui bouffe des dizaines de milliards de roupies, qui en termes de budget d'une année, qui pourra jusqu'à, dans la durée du projet en particulier, du Harbour Bridge et du métro léger, qui pourra dépasser 50 milliards de roupies d'après nous. Le gouvernement fin, PMP, délaisse ses responsabilités dont l'aspect social de la pauvreté, surtout dans le logement, lui prend sa qualité de dépenser à ce niveau, à partir ce budget qui vient dans le budget de fonctionnement du gouvernement, qui est bien sorti à partir. Qui lui fait penser ça? Lui fait penser ça, lui fait mettre l'eau les dos dans une compagnie à travers le CSR. Même récemment, il y a une augmentation du transport d'autobus. Alors qu'il y a une seule compagnie, la CNT, qui est une compagnie étatique, qui fait montrer, peut faire la perte, et toutes les autres compagnies du secteur privé peuvent faire un profit, et fin déballe une augmentation de transport, l'eau, consommateur. Donc chaque compagnie étatique doit respecter les prévisions de la loi en termes de remettre ce bilan financier dans la période voulue et qui s'est déposé devant le Parlement pour qui ben représentant au niveau du Parlement capable de ça de près. Mais additionnellement, moi je peux ajouter qui aussi pour ceux qui ne déposent pas leur bilan financier en respectant, j'espère que dans le prochain budget d'avenir, qu'il a loi amendée pour qu'ils aient vraiment sévèrement pris à partie par le gouvernement.